Elle a du caractère, elle a du tempérament, elle ne se laisse pas approcher facilement. Mais aujourd'hui, vous allez vous laisser séduire, car Toulon est la ville du renouveau. Ses habitants fourmillent de projets. En un mot, vous allez adorer. Déborde d'idées. Du Mont-Faron aux ruelles du centre-ville, Régis nous parlera du renouveau de la cité. On s'y sent bien dans ta ville. Je trouve qu'il y a une atmosphère, une vibration. Découvrons ensemble un bijou du patrimoine toulonnais, l'Opéra. Visite privée avec monsieur le directeur. Alors, c'est pas tout à fait vrai que l'acoustique est égale de haut en bas. Sur les toits, Marion nous parlera des initiatives culturelles de la jeune génération toulonnaise. C'est un projet de vidéo sur les toits de Toulon. Et avec Alexandre, que la musique est bonne. Messieurs, dames, pourriez-nous faire un petit concert rien que pour nous? Ok, let's go. Enfin, direction l'Arsenal, où nous suivrons Estelle, la première femme pilote de port. Le lardier, tu es très lente seulement. Pour commencer, prenons de la hauteur. À Toulon, l'air est au changement, à la métamorphose. Un mouvement est en marche et ils sont nombreux à développer des projets qui donnent une autre image, une autre dimension à la ville. C'est incroyable cette vue. Moi, tu vois, de Toulon, je ne connaissais pas beaucoup. C'est une ville où on passe, où on s'arrête peu. Mais depuis peu, c'est le renouveau de la ville. Oui, tout le monde le sent, je pense, d'un point de vue culturel déjà, par ses opérateurs, par tous ces acteurs, en tout cas, culturels. Donc on sent parfaitement cette envie-là, cette dynamique très particulière à ces dernières années, en tout cas les années que nous traversons. Et c'est vrai que ce point de vue-là nous permet de comprendre parfaitement la ville et d'une certaine façon aussi sa dynamique. Toi, tu as un groupe depuis une dizaine d'années qui s'appelle IFI Club. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce groupe? Et qu'est-ce que vous y faites? Parce que vous ne faites pas que de la musique. IFI Club, c'est un quintet de rock expérimental qui est très largement ouvert à la collaboration. Et effectivement, nous développons des projets nécessairement audio, des projets musicaux, mais nous allons jusqu'à des projets audiovisuels en travaillant les films qui soient plutôt en relation avec la vidéo d'artistes ou des plus longs métrages, portraits de musiciens que nous aimons. Alors Toulon vous inspire, le Mont-Faron vous a aussi inspiré. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette ville qu'on voit derrière nous provoque chez vous, les créateurs, une émulsion? Disons qu'on aime l'idée d'appropriation de la ville comme terrain d'expérimentation et de création. Oui. Ça se ressent dans nos derniers travaux, qu'il s'agisse de travaux audiovisuels, par exemple notre projet On dirait le Sud, de travaux visuels uniquement. Nous avons réalisé toute une balade de ce Mont-Faron, balade assez poétique en accompagnement de nos morceaux, ou de projets totalement audio, uniquement musicaux. Nous sommes intéressés il y a peu au Stade Mayol, à toute sa vibration très particulière. Mais c'est vrai que la ville inspire par son architecture, la ville inspire par son histoire liée à l'armée, à la marine. Donc il y a plein d'excuses dans ce que le mot excuse a de plus positif, d'enrichissant, de dynamique, pour trouver des terrains, des créations, de nouveaux textes à poser et de nouveaux propos plus culturels et artistiques. Il n'y a pas si longtemps, la ville basse portait un drôle de surnom, Chicago. Aujourd'hui, une autre ambiance se propage dans ses rues. Quand on parle du renouveau de la ville, il faut impérativement venir au centre-ville parce qu'on sent, on entend une évolution certaine avec pas mal de travaux qui donnent un nouveau cachet au centre-ville. J'ai un petit peu l'image d'une vague quand on évoque ce renouveau-là, ou une vague qui grossit au fur et à mesure que les interlocuteurs, les porteurs de projets, les partenaires s'ajoutent. Et cette vague-là est en train d'être vraiment portée, grossie énormément ces derniers mois, ces dernières années. Ouais. C'est vrai qu'on évoque là la Maison de la Photographie, qui est historiquement tout de même assez centrale dans ce projet de vieille ville, ce rattachement culturel. Et puis ensuite, effectivement, différentes propositions, différents nouveaux acteurs qui s'implantent au fur et à mesure dans ces rues. On s'y sent bien dans ta ville. Je trouve qu'il y a une atmosphère, une vibration. Tu penses que c'est dû à quoi, toi qui la connais bien? En tout cas, ça sent bon en ce moment. Et c'est dû, je pense, à la perception
assez immédiate que les gens peuvent avoir de ce renouveau et de cet élan. C'est-à-dire que c'est assez éclatant. Donc, comme toute chose éclatante, les gens retiennent d'abord quelque chose de positif et de dynamique. Oui. Donc, que ce soit des énergies propres à la ville ou des énergies extérieures. Moi, mon projet me fait inviter beaucoup de personnalités étrangères. Mm-hmm. Et elles sentent une vibration très particulière dès lors qu'elles sont en ville, qu'il s'agisse de ce centre ancien, oui. qu'il s'agisse de la haute ville, qu'il s'agisse du Pharaon, là, on était tout à l'heure. Mm-hmm. Et je sens que les gens captent et appréhendent cette énergie, cette envie-là, assez facilement. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis en vacances, j'aime bien ramener des petits cadeaux. Alors, loin de la boule à neige ou encore des fameux animaux aux coquillages, Amandine a décidé de renouveler le genre du souvenir. Vous me suivez ? Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited. J'aime bien ça. C'est joli. Elle plaît bien, cette tasse. Ouais, elle est pas mal du tout. Mais alors, comment tu t'es dit un matin, je vais renouveler le genre du souvenir ? Bon, en fait, on est arrivé ici à 3 ans et demi avec mon conjoint et on est tombé amoureux de la ville. Oui. Et en fait, on se rendait compte que nos amis dans d'autres régions avaient des mauvaises a priori sur Toulon. Mm-hmm. Et on s'est dit, c'est pas normal, on va leur envoyer un souvenir sympa. Pas mal. Et en fait, on n'en a pas vraiment trouvé. Donc, on les a fait. Voilà. Donc, ça veut dire que tu imagines chaque pièce. Ouais. Par exemple, on a. Là, je vois celui avec le téléphérique. Vous êtes inspiré de tous les éléments de la ville. C'est ça, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'éléments forts à Toulon. Un téléphérique, c'est rare dans une ville. Oui. Le bathyscaphe, c'est un bâtiment assez. Alors, le bathyscaphe, c'est ça. C'est voilà, ce qu'on voit sur le t-shirt. Sous-marin qui est à la Tour Royale, ouais. qui est exposé comme ça. Et c'est un endroit très, très chouette avec une belle vue sur la rade, tout ça. Et on s'est dit, ça va être sympa quand même de mettre ça en valeur. Alors, ça, ce sont tes créations. Mais dans la boutique, il y a d'autres choses. Voilà, il y a d'autres créateurs locaux et français et aussi des marques de boutiques. Voilà. Bon, bah, j'ai plus qu'à choisir quelque chose, tu vas me conseiller quand même, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Après, c'est le problème des jolies boutiques, on a envie de tout acheter naturellement. À quelques pas des nouveaux projets de la jeune génération, se dresse un des repères incontournables de la vie des Toulonnais, l'Opéra. Inauguré en 1862 sous Napoléon III, le Grand Théâtre de Toulon est aujourd'hui un lieu de diffusion ouvert à tous les arts et à toutes les cultures. Alors cet opéra a une belle histoire, c'est un lieu de résonance, de vibration. Moi, je trouve qu'ici il se passe quelque chose. Sa construction, son histoire, c'est quoi ? Quand l'empereur est venu pour agrandir la ville, pour décider de l'agrandissement de la ville, l'empereur Napoléon III, il est venu avec l'impératrice, qui est restée seule le dernier soir. Il y a eu une grande fête pour elle, en son honneur. Cette belle brune, qui était Eugénie de Montijeux, n'est-ce pas, a promis aux dames de la société, qui se plaignaient de la vétusté de leur théâtre, d'avoir un jour un bel opéra. De leur offrir un bel opéra. Et l'empereur et l'impératrice, sur leur cassette personnelle, ont offert ce théâtre à la ville de Toulon. Qui est quasiment à l'identique, parce que quand on voit les gravures, les sculptures, absolument. Ça représente vraiment cette période-là. Le baron Haussmann, qui avait été préfet du Var, s'est occupé de la restauration, ou plutôt de la recréation des grandes avenues de Marseille et de Toulon. Et Toulon, c'est pour l'agrandissement de la ville. Alors, il travaillait avec des cabinets d'architectes. Ces gens-là étaient tout à fait emprunts de ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils avaient envie de témoigner comme étant le style de leur époque, et donc le style de Napoléon III. Et si ce décor est assez riche, s'il est très beau en termes de patrimoine, c'est aussi parce que ce sont des gens qui ne pouvaient pas faire autrement que de faire un beau théâtre. Ils n'avaient pas le choix. C'est leur réputation. Mais bien évidemment. C'est leur réputation, c'est leur mode de création, c'est leur mode de vie. D'où ce théâtre qui correspond exactement à la définition que l'on donne en termes d'architecture à la fête impériale. On a appelé cette époque la fête impériale, et bien ça en est un témoignage physique. On est donc dans un opéra où on joue de la musique, où on y chante, et l'acoustique, c'est fondamental.
Cette salle est construite sur 12 piliers. C'est un système Eiffel. 12 grands piliers de métal qui font 40 mètres de haut, qui ont la particularité d'être positionnés en arrière des sièges, ce qui fait qu'aucun ne gêne pour la visibilité. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, c'est rare. Hein. Mm-hmm. Et sur cet ensemble va être clippée la salle en bois doré. Ça donne cette caisse de résonance magnifique. Il faut entendre sans micro dans les étages, la même façon entendre le chanteur. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai que l'acoustique est égale de haut en bas. Elle est formidable quand on est en bas, là où tu es, là où je suis, nous sommes ensemble. Mais en plus, elle est exceptionnelle en haut. Eh bien, on va aller au paradis. Mais vraiment. On va aller au paradis tous les deux. C'est incroyable. Pas mal, hein? Il est quoi, lui, comme tessiture? Alors, c'est ce qu'on appelle une basse chantante, un baryton basse. Mais normalement, Escamillo, puisqu'il s'agit d'Escamillo dans Carmen, c'est une basse chantante. Voilà. Alors, je comprends bien quand tu me parlais de l'acoustique ici, si particulière. On sent, il y a vraiment une vibration et on entend tout, en fait. Ah oui, on entend même ses prises de respiration. L'opéra, c'est ouvert à tous. Oui. Vous pouvez venir. C'est accessible, finalement, suivant, tu me diras, les lieux dans l'opéra. Mais ici, on peut venir se faire vraiment plaisir financièrement. Ce n'est pas si cher que ça. Non, absolument. Pour 10 euros, on peut accéder au poulailler. Alors, évidemment, comme on se disait tout à l'heure, ça ressemble à un cirque de chevaux de bois. C'est ça. Pas de ton enfance, mais de la mienne. Mais ce n'est pas très confortable, surtout quand on joue du Wagner, parce que c'est très long. Mais quand même, c'est extraordinaire, on y voit bien et on entend surtout merveilleusement. Vive les chevaux de bois! Compris, Toulon est donc un lieu pour la création. Ici, l'énergie est partout, et particulièrement dans la nouvelle génération, la fameuse génération Y, qui pratique le système des suivants, do it yourself, fais-le par toi-même. Alors je vous emmène sur la terrasse de l'opéra, vous allez découvrir tout ça. Marion, je parlais de cette nouvelle génération dont tu fais partie. Et vous avez des projets absolument incroyables. Et j'aimerais que tu me parles de l'association Éclectique. Oui, avec plaisir. Donc l'Éclectique, c'est une association toulonnaise itinérante. Comme son nom l'indique, nous proposons beaucoup de choses. Ouais. C'est tout domaine culturel confondu. Et pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc des concerts dans les lieux qui vont bien vouloir nous accueillir du centre-ville. Mmh. Des ateliers de sérigraphie. Et des projections de courts-métrages, un petit peu tout. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre cette culture particulière, ouverte au plus grand nombre? Oui, ce qui nous importe vraiment, c'est les rencontres et les échanges, et de mettre l'humain au centre de tout ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est de supprimer des petites choses comme la scène, pour faciliter l'échange, notamment entre les artistes et le public. Ce qu'on favorise aussi, c'est le prix libre. À travers justement donc ce prix libre, on essaye de faciliter l'accès à bien tout sûr. Type de public et faire donc rencontrer les gens. Donc les gens arrivent au concert, peu importe le lieu. Ouais. Ça peut être un lieu comme celui-ci, une terrasse, un toit. C'est un petit peu ça aussi l'idée. Ça peut. Voilà. On a fait ça. Les premiers à nous avoir accueillis, c'était un hostel du centre-ville. On a fait dans des boutiques. On a fait. Dans un ancien cinéma, on a fait dans plein de petits lieux différents. Tu travailles aussi avec le Port des Créateurs, ouais. Qui ouvre encore plus peut-être à la création en général. Vous êtes en train de vous approprier la ville quand même, je trouve. C'est bien ça. Moi, je trouve que c'est formidable. Ouais, donc le Port des Créateurs, c'est aussi donc, une association. Elle accompagne les artistes et les associations culturelles. Mm-hmm. En fait, c'est un peu un travail de médiation et surtout de l'accompagnement en fait, immatériel et matériel. Et dans les projets que vous développez, il y a
ce qui est en train de se passer derrière moi, en fait. Oui, tout à fait. Donc, ça s'appelle Sur Toulon. C'est un projet de vidéo sur les toits de Toulon, comme son nom l'indique. Et donc, c'est un projet qu'on a développé, encore une fois, avec des artistes plutôt internationaux. C'est des artistes qu'on a fait venir la veille en concert, qui dorment à la maison. Qui prennent le café le matin avec nous. Et c'est bien, tu fais les tartines en plus, c'est formidable. Autour d'un brunch, on fait un petit tournage. Ouais. Et ça permet d'avoir une autre vision pour eux de la ville de Toulon et nous de transmettre une vision assez positive de la ville à travers le monde. Aujourd'hui, la vidéo du jour est destinée aux Twin Apple, un groupe toulonnais porté par Alexandre, fondateur du label Toulon Records. Quand je vous dis que ça bouge à Toulon... Alexandre, je voudrais que tu me parles de Toulon Records. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Toulon Records, c'est un petit label. Ouais. Petit label toulonnais, qu'on appelle micro dans les textes officiels, mais qui est de moins en moins micro dans la mesure où aujourd'hui il y a 5 groupes au catalogue. Oui. Donc voilà, ça reste quand même à échelle humaine. Et ce label, en fait, je l'ai monté avec le désir d'occuper le terrain un petit peu sur Toulon. Alex, il n'y avait pas de label avant? Il n'y avait pas de label de ce type-là qui existait. Il y a déjà eu des initiatives un petit peu dans d'autres styles. Nous, on est autour d'une esthétique assez ciblée, c'est la pop, mais au sens large, donc avec l'amour des mélodies, voilà, mais pas de restriction de style, quoi, mais toujours l'idée... Oui, il y a quand même une couleur qui se dégage de tout ça. Et la deuxième couleur, c'est le territoire aussi, parce que je suis très attaché au territoire, donc d'où ce jeu de mots tout long... Records pour Toulon. Derrière moi, il y a les Twin Apple qui vont jouer dans quelques instants. Parle-moi un petit peu d'eux, c'est quoi leur parcours? Les Twin Apple, c'est un groupe avec qui on travaille depuis un moment, mais il y a une particularité, c'est qu'ils n'ont pas encore sorti d'album sur le label, ouais. Véritablement. Donc c'est leur troisième album qu'on est en train de préparer et qu'on va bientôt sortir. On a déjà travaillé avec eux précédemment sur d'autres projets, des concerts, sur un clip notamment. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc il y a ce troisième album qui arrive avec des sonorités assez brésiliennes, bossa nova, tout ça, tout en gardant leur esthétique pop anglaise au niveau des références. Ouais. Alors je les sens s'agiter derrière moi. Messieurs, dames, pourriez-vous faire un petit concert rien que pour nous? C'est possible? On peut. Super. Ok, let's go. I can say it every day. You and I are living in a separate way. I left them crying, I'm sorry, time. I've lost more than you. How can you? You and I in the summertime. I can't help thinking about what I've done. I left them die and all I have is the picture of you. Well, how can you? I'm sitting on a bench. I'm on my knees for you. You won't be. Raconter l'histoire de Toulon, c'est également raconter celle du premier port militaire de la Méditerranée. Depuis le XVIe siècle, y est installé un arsenal. Aujourd'hui, la base navale de Toulon regroupe 70% de la flotte française et au service des moyens portuaires, nous voyons également souffler l'air du changement. J'ai rendez-vous avec Estelle, l'une des deux seules femmes pilotes de port. Son métier, conseiller et aider le commandant des navires aux manœuvres d'accostage dans l'arsenal. La mission du jour, l'arrivée de la frégate Lafayette qui rentre de mission et c'est au PC d'exploitation que tout commence. Le bateau, lui, va arriver donc de la grande rade. Hein. Il va franchir là, ici. Ici, voilà. Ici, en bas. Voilà. Il va franchir donc les passes et puis après monter pour se présenter vers son quai. Et alors le quai, je suppose que c'est alors, celui qui est libre là. C'est celui-là, ouais. Ouais. Il va aller au poste 111. Donc en fait, ça me permet de voir l'espace de manœuvre que je vais avoir pour pouvoir manipuler le bateau. Et comment tu vas procéder avec le pacha à bord? Bon, le commandant va vouloir certainement faire sa manœuvre. Bien sûr. Je vais lui demander, en fait, on va le faire ensemble pour qu'il garde ses machines et moi, je l'axe avec mes moyens. Marine, tu peux me donner les moyens que je vais avoir pour rentrer de Lafayette? Voilà. Le rascasse, le lardier, le scissier, le pousseur 33 et la pilotine vous attend pour vous emmener. Donc ça, ce sont les noms des remorqueurs, on est bien d'accord? Ça, ce sont les noms des remorqueurs, oui. Ouais. Voilà. Donc voilà la fameuse pilotine. Ouais, voilà. Donc ça nous sert
pour pouvoir embarquer sur les bateaux qu'on va chercher en petite rade ou en grande rade. Ok, les choses sérieuses commencent. Je vous fais un petit point météo, donc vent d'est pour 20 nœuds. Oui, bien reçu. Est 20 nœuds, pour information, je travaillerai sur 8. Oui, reçu, vite. La seule femme maître principale, pilote de port. Oui. Ça n'a pas dû être simple, je pense, d'arriver dans un milieu d'hommes, quand même. Non, il faut te faire respecter par tes pairs. Après, si tu montres que tu es capable de faire comme eux... À compétence À compétence égale, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais arriver au stade où on en est maintenant, premier maître principal, enfin, officier marinier supérieur, tu as peut-être un peu moins à faire tes preuves parce que ça fait déjà plusieurs années que tu es dans la marine, donc on te connaît. Enfin, ton dossier, t'as déjà précédé avant que tu arrives. Donc voilà, qu'au début, c'est un peu plus dur. Ouais, quand tu rentres dans la marine, en plus, moi, je suis rentrée dans des années où il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de filles. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué de te faire accepter par tes pairs. Montre que c'est pas inaccessible. C'est ça. On pourrait penser... T'as ouvert la voie, après, mesdames, allez-y. Hein. Exactement. Venez. On montre... quand je me suis lancée là-dedans, je l'ai fait pour moi, parce que je voulais faire ça. Après, je me suis dit, si je peux... si ça peut ouvrir une brèche pour montrer aux autres filles que c'est pas inaccessible. Simplement, c'est un peu de sacrifice. Des sacrifices, j'en ai fait. Et bon, je suis arrivée à ce que je voulais faire, mais j'ai réussi à concilier aussi ma vie privée. Je fais les sous-marins. Je pilote les sous-marins. Ah ouais. Il n'y a pas de femmes à bord des sous-marins. Donc ça, c'est une particularité qui fait que, t'es fière de ce que tu fais, ça, c'est sûr. Un sacré métier, quand même. Moi, je suis baba. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Tu verras tout à l'heure. Ouais. Avec les conditions de vent, oui. Mais on en profite de papoter pour l'instant, parce qu'après, on va laisser travailler. Ça y est, tous des pilotes sur 74. Ça fait du bien. Me confirmer embarquement par la porte de bord des bâbords ? Oui, je confirme porte de bord des bâbords. Bien aussi. De prendre le Lardier et le Rascasse en flèche, avant-arrière, et de prendre également le Sissier en pousseur-tireur à l'arrière, ce qui me permettra, si j'ai besoin de vous arrêter, de pouvoir mettre le fléchard à casser l'air et l'autre à prendre, à tirer pour vous retenir au vent. Écoute, soit je te prends maintenant et tu suis dans le sens de la marche, ça sera très bien. Ok, on se présente. Affirmatif. 348. Le commandant est en train de venir chercher son axe de présentation. Il a une aide, tu vois, ce qu'on a là devant. Voilà. Il va venir chercher son axe de présentation pour pouvoir évaluer plus tu te présentes de loin et mieux tu estimes beaucoup plus la dérive. D'accord. D'accord. Donc moi, du coup, en fonction de ça, en fonction de la dérive, Je vais agir avec mes moyens s'il y a besoin, si on voit qu'on vraiment dérive trop pour le réaxer. Tu gères. Voilà. Ok. C'est vraiment un boulot avec là maintenant une symbiose avec le commandant. Très bien. Lardier 45 droite molle. Lardier, tu es très lent seulement. Très lent seulement, Lardier. Sissier, lent seulement. Lent seulement, Sissier. Le Lardier, tu es molle. Et le Sissier, tu es neutre.
Les deux sont attirés pour vous redresser. Hein. Comme ça, vous longez le quai. Lafayette revient enfin chez lui avec toute sa famille qui attend. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt.